Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. La prison ouverte de Ertenden, expression de notre époque éclairée, était une prison sans barreaux. Celui que je venais y voir était un prisonnier nommé Michel Diamant. C'était un Irlandais qui, 7 ans auparavant, avait lancé une bombe en plein cœur de Londres. De profondes et sincères convictions politiques étaient certes à l'origine de son geste. Il n'en demeure pas moins que ce geste était criminel. Il avait purgé sa peine. Dans 24 heures, il serait de nouveau un homme libre. Seulement son retour au sein de la société n'allait pas se passer aussi simplement qu'il le croyait. J'étais venu pour le lui dire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le gouverneur est un ami à vous? Oh, pas particulièrement. Je n'ai fait que profiter de sa voiture. Je m'appelle Drake, John Drake. Ah. Et vous, vous devez savoir qui je suis? Oui, bien sûr. Il paraît que vous êtes ici depuis plus longtemps que n'importe qui. Oui, depuis plus de 5 ans. On peut dire que Tim Branigan et moi-même, nous avons servi de sujet d'expérience. Nous étions à Dartmoor avant ça. Tim Branigan? Oui, un autre révolté. Il a été libéré il y a environ 2 ans. On ne savait pas si la méthode était bonne avant de l'essayer sur nous. Et elle est bonne? Ah oui, elle est bonne, oui. Ça, je vous crois. Est-ce que ça vous déplaît beaucoup que nous parlions de ça? Non. Autrefois, sûrement, mais plus maintenant. En 7 ans, on a le temps de réfléchir à bien des choses. Ça n'a pas été facile, mais j'ai compris. Vous êtes sûr de vous? Oui. Maintenant, l'ardoise est nette. Je crois que vous allez travailler en Écosse. Oui, dans l'ouest de l'Écosse. Un Irlandais comme moi travaillait pour un Écossais. Un drôle de combinaison. Et est-ce que je peux vous demander qui vous êtes? Bien sûr. En particulier, je suis aussi d'origine irlandaise. Et c'est même pour ça que je viens vous voir. De mauvaises nouvelles? Allez, sortez-les. Malheureusement, il faut faire une croix sur cet emploi. Faire une croix? Vous croyez que des emplois comme ça, je vais en trouver 13 à la douzaine? J'ai accroché cette affaire moi-même. C'est celle qui est venue à vous? Oui, alors? Si j'ai bien compris, Monsieur Diamant, le gouverneur vous a donné la permission de mettre une annonce pour devenir garde forestier. C'est exact? Comme forestier, je suis qualifié. Et vous avez reçu exactement une réponse de Robert Crawford qui a des terres situées dans les Highlands. Oui, c'est exact. Et nous pensons que si vous allez chez Crawford, vous vous retrouverez plus vite que vous l'imaginez en plein dans la situation qui vous a déjà mené en prison. Alors vous savez des choses sur Crawford? Des choses, oui, mais pas assez concluantes. Je voudrais aller chez Crawford à votre place avec votre nom et vos références. Mais si je veux jouer ce rôle, il faut que je connaisse tout ce qui vous concerne. Vous êtes le seul qui puissiez me l'apprendre. Mais dans tout ça, et moi? Nous vous paierons pour ce que vous allez payer. Faire. Pas en argent. Un autre emploi, et qui cette fois en vaudra vraiment la peine. Vous acceptez? Quelque chose me dit que je serais bien idiot de risquer des ennuis. D'accord. Je vais coopérer avec vous. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Diamant. Le lendemain matin, je prenais le train pour l'Écosse. À la fin de l'après-midi, j'arrivais à la petite gare qui était ma destination. Merci beaucoup. Bien le bonsoir, madame. Bonsoir, Amish. Comment vont les enfants? Ils vont bien, merci. Bon. La voiture n'est pas arrivée? Non, pas encore. Oh, excusez-moi, seriez-vous madame Crawford de Lockdo? Oui, mais je... Je suis Liamant. Bonjour, monsieur. Je suis le nouveau garde forestier. Très bien. Votre mari ne vous a pas parlé de moi? Oh, j'étais en voyage. Je m'absente en hiver. Si je pouvais seulement persuader mon mari de venir avec moi. Je vois. Oui,
Vous êtes sûr que vous ne commettez pas une erreur? Mais j'espère que non, ce ne serait pas la peine d'avoir fait tout ce chemin. Non, non, je vous assure que votre mari m'a bien dit qu'il avait... Ça, j'en suis persuadée, monsieur Liamant. Ce que je veux dire, c'est une erreur en prenant cet emploi. Je suppose que vous le savez, Lockdown, c'est vraiment le bout du monde. Vous pourriez tout aussi bien vivre sur un rocher au milieu de l'Atlantique. Oh, vous ne me découragerez pas, madame Crawford. J'aime la solitude. Oui, mais à ce point... Où était votre dernière place? En prison. Oh, je comprends. Je comprends votre sentiment. Mais vous n'avez pas le regard... Quel regard? L'expression. Mon père l'avait. Il a été en prison? Oui, prisonnier de guerre dans un camp. Bonsoir, Mme Crawford. Anders, enfin. Alors, venez, monsieur Liamant. Je vous prie d'excuser l'absence de mon mari. Quand avez-vous vu M. Crawford, Neil? À 6h30 ce matin, madame, quand monsieur est parti pour Rennoch Point. Merci. Oui. Je crois que je finirai par demander le divorce et j'accuserai Rennoch Point de me prendre mon mari. Et comment un promontoire l'a-t-il détourné de votre affection, madame Crawford? Comment? Je m'en vais vous le dire. C'est un vrai sanctuaire d'oiseaux. Déjà, mon père avait cette passion. Des jours entiers, je baignais jusqu'à la taille dans des marécages à traîner derrière lui, tandis qu'il photographiait les amours printanières de la grue à aigrette. Enfin, j'ai réussi, j'ai gagné. J'ai gagné une pneumonie du genre sévère. Quelle touchante et pathétique histoire. J'ai cru que j'en avais fini une bonne fois. Hélas, c'était compté sans mon cher mari. Quand je l'ai rencontré à Dublin, il était l'innocence même. Il ne distinguait même pas une chouette d'un aigle royal. Alors un été, je l'ai amené ici. Il est rentré très tard un beau soir. J'ai découvert le paradis terrestre, m'a-t-il dit. Rennoch Point. Quelle beauté, ces oiseaux. Êtes-vous amateur d'oiseaux, monsieur Liamant? Oh, vous savez, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup ces 7 dernières années. Alors n'allez pas à Rennoch Point. Moi, je n'y remettrai jamais les pieds. J'ai bien trop souffert. Bonsoir, Neil. Est-ce que monsieur Liamant est arrivé? Oui, monsieur. Il est avec madame Crawford. On a mis votre dîner à réchauffer. Bon, très bien, ça va. Cathy, je suis contente de te revoir à la maison. Oh, désolé de ne pas être allé à la gare. Oui, je sais que c'est beaucoup te demander. Robert, voici monsieur Liamant. Comment allez-vous, monsieur Crawford? Soyez le bienvenu. Il y a une paire de roitelets à tête grise qui nichent dans la falaise. C'est la première fois qu'on en voit en Écosse depuis 50 ans. Les œufs éclosaient. Je ne pouvais pas quitter la cachette. On a pris de belles photos. Je suis bouillante d'impatience de les voir. Il faut que j'aille m'installer maintenant. Si Neil veut me montrer mon pavillon, à quelle heure voulez-vous me voir demain matin, monsieur Crawford? Mais il n'en est pas question. Une première nuit hors de prison et vous coucheriez dans ce vieux pavillon tout poussiéreux? Non, vous coucherez ici. Très bien, je vous remercie beaucoup. Le voyage a été long, je suis fatiguée. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, monsieur Liamant. Bonne nuit, madame Crawford. Voulez-vous me servir un whisky, Liamant? Et maintenant, parlez-moi un peu de vous-même. Oh, mais je vous en ai déjà parlé au cours de notre correspondance. Quand on a vécu autant que j'ai vécu, on sait qu'il ne faut pas trop se fier aux paroles écrites. L'action. Il n'y a de vrai que l'action. Quand quelqu'un vous brise quelques dents d'un bon coup de poing, on sait à quoi s'en tenir. Vous savez d'où je viens, Crawford? De prison, où j'ai appris le métier de forestier. Ils ne sont pas bêtes, les Anglais. Non, mais pourquoi dites-vous ça? Parce qu'ils rééduquent les gens et qu'ils en profitent pour mettre le grappin dessus. Sous prétexte d'enseignement, ils font du bourrage de crâne. Et vous avez réfléchi là-bas? Oui, pas mal. Dans votre sens ou dans le leur? Écoutez, monsieur Crawford, il y a 7 ans, j'ai tué un homme. C'est pourquoi on m'a mis en prison. Maintenant, j'en suis sorti. Je suis en règle. Maintenant, j'ai des droits et ce que je pense ne regarde que moi et personne d'autre. Je suis surpris que vous soyez si bien résigné. Écœuré, ce serait peut-être plus juste. Est-ce que vous essayez de me provoquer, monsieur Crawford? Je ne vois pas à quoi ça servirait de provoquer un minable. Quelqu'un que les Anglais laissent sortir parce qu'on lui a rogné les griffes ou parce qu'il n'est plus dangereux. Oui, un mou, voilà ce que vous êtes au fond. Je prenais les Irlandais pour des durs. Je me trompais. Les Anglais en font des agneaux bêlants. En tout cas, je suis prêt à vous prouver le contraire, monsieur Crawford. Contre qui en particulier? Qui vous voudrez? Contre les Anglais, peut-être? J'ai dit qui vous voudrez. J'ai fait tout ce qu'ils ont voulu pendant 7 ans parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais même un agneau bêlant ne passe pas 7 ans de sa vie en prison sans faire au moins une promesse à lui-même. Et vous savez de quelle promesse je veux parler. Expliquez-vous mieux. Entendu, je vais être plus clair, monsieur Crawford. Je me suis promis de supprimer autant d'Anglais que j'ai passé de moi en prison et entendu, plus. Je vous ai compris. Ça va, Lehman. Vous êtes chez des amis, Michel. Plus que vous ne croyez. Que voulez-vous dire? Versez-nous d'abord 2 grands whisky. Nous avons quelque chose à fêter. Peut-être vous. J'ai dit nous. J'ai retrouvé Tim Branigan, votre vieux copain de Ertenden. Branigan? Ancienne équipe, Michel. Vous et Branigan. Il doit arriver dans la journée de demain. C'est
C'est une surprise, ça, hein? Moi, c'est comme ça que je fais les choses. Ah, bah ça alors, c'est chic. C'était pas tant. Vous ne pouviez pas me faire une plus grande surprise. Voici Michel Yaman, Pat Mullins. Quoi, Michel Yaman? Ah, ça me fait bien plaisir. Avez-vous repéré le solutier? Il va bientôt être là, on nous l'a signalé au large de la côte. Bon, nous allons vous faire voir des choses très intéressantes, Michel. Allons-y. Rennoc Point, le sanctuaire des oiseaux. Sanctuaire tant détesté de Cathy Crawford. La clôture était haute et solide, le treillage tout neuf. Que de précautions pour protéger des mouettes et des cormorans. Qu'est-ce que tout ça cachait? Je n'étais pas pressé de le savoir. Que voyez-vous d'ici, Michel? De l'autre côté de l'horizon, mon pays. C'est là-bas que je suis né, à Donegal. Vous y serez dans pas très longtemps. Y a-t-il à bord du chalutier? Des amis. Espérant que Brannigan sera parmi eux. Ah, oh, Tim. Alors, je suis content, ça va être comme autrefois. Bon, allez, venez. L'armée qui est installée sur terre pendant la guerre. C'était un centre d'entraînement pour le sabotage. Ce qui était assez bon pour eux, est assez bon pour nous. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas magnifique tout ça? Oh, c'est formidable. C'est presque poétique. Et quelle quantité! Ça doit valoir une fortune. J'ai épousé une très riche héritière, Michel. Ah? Est-ce qu'elle sait ce que vous faites ici? Non, elle ne le sait pas. Et le ciel veut aussi qu'elle ne s'intéresse pas à la gestion de son argent, si ce n'est pour le dépenser. J'ai donc entière disposition de la fortune. Et vous l'employez pour une cause splendide. Dites à propos le raid sur la banque d'Ulster. Je suppose que vous avez eu votre petite part. Ainsi que dans le raid de la banque Corag la semaine dernière. Eh bien, je me trouve en bonne compagnie. La police va rechercher nos gars en Irlande, comme d'habitude. Ils sont là à manger et à dormir, tout leur content. Tout en préparant une nouvelle opération. Ils ont dû accoster maintenant, allons-y. Brannigan serait-il avec eux? J'espérais bien que non. Moi qui étais censé être son plus vieil ami. Hey, du bateau! Moulin! Brannigan est là? Oui! Alors emmenez-le ici. Dites-lui qu'un vieux copain voudrait le voir. J'ai hâte de le rencontrer. On m'a dit que c'était quelqu'un. Oui, c'est vrai. Allez, entrons là-dedans. On va fêter ses retrouvailles. Regardez! Parfait. Tim Brannigan, capitaine Crawford. Enchanté, capitaine. Enchanté aussi. Et Boyer qui est ici, votre ancien camarade. Vous n'êtes pas Tim Brannigan. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui êtes-vous? Je suis Tim Brannigan, nom de nom. Fouillez-le, ça nous dira peut-être qui il est. Moulin, fouillez-le. Je suis Tim Brannigan, je vous répète. Si vous ne me croyez pas, demandez aux gens du bateau qui je suis. Ils me connaissent bien. Et celui-là qui il est. Thank you.
désolé, Madame Crawford veut sa voiture. Diamond. Oh, bonjour, Madame Crawford. Voulez-vous m'aider à porter tout ça? Oui, avec plaisir. Ça va être bientôt l'heure de déjeuner. Robert, comment fit-on? Monsieur Diamond reste déjeuner avec nous. Tant mieux. Je ne souhaitais tout de même pas le voir se sauver tout de suite. Se sauver? Où se sauverait-il dans un désert pareil, le pauvre homme? J'espère que vous aimez votre pavillon. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Monsieur Crawford m'a emmené à Rennoc Point. Ah. Est-ce que vous êtes ensorcelé, vous aussi? J'ai trouvé cet endroit fascinant. Surveillez la maison. Et voilà, c'est parfait. Posez tout ça là. Nous passerons à table dans 3 minutes. Merci, madame. Vous avez perdu quelque chose. Sortez d'ici et allez à la voiture. Sortez. On s'en va? Vous n'allez pas sortir maintenant? Alors venez, le déjeuner est servi. Non, il faut que je montre à Liamon que... Oh non, ça ne fait rien, Monsieur Crawford, j'attendrai. Allons manger, le grand air m'a donné de l'appétit. Un peu de sucre, monsieur? Merci. Vous êtes bien silencieux, tous les deux. Excusez-moi, Madame Crawford, mais votre mari m'a donné des sujets de réflexion. Je vous préviens qu'il a souvent des idées bizarres. Il ne faut surtout pas trop y prêter d'attention. Plus bizarre que vous ne croyez, Madame Crawford. Bah, maintenant, vous me faites peur. Nous imaginions que Rennoc Point était utilisé par les Irlandais rebelles. Enfant. Il y aurait des commandos qui en feraient leur base et qui tenteraient des sorties contre l'Irlande du Nord. C'est passionnant. C'est là que j'intervenais. Et quel rôle jouiez-vous dans ce petit mélodrame, Monsieur Liamon? Ça, c'est mon secret. Je prenais la place du nouveau garde forestier, celui que votre mari ne connaît que de réputation. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire à ça. Tenter de me supprimer? Oh, je croyais que vous m'accorderiez un peu plus d'intelligence. Non, je suis navré. Bah, je ne courrais pas le risque de vous tuer sans en savoir un peu plus long sur vous. Le désespoir fait faire bien des sottises. C'est assez, je vous en prie. J'en ai assez de ce jeu désagréable. S'il vous plaît, parlons d'autre chose, voulez-vous? Tu as raison, Cathy. Ce n'est pas un jeu. Mais je ne peux pas vous croire. Est-ce qu'il faut vous prouver que c'est vrai? Nous allons prendre votre voiture et vous allez me conduire à la gare. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Très bien, Monsieur Liamon. Allons. Si c'est un jeu, je trouve que votre jeu est du plus mauvais goût. Mais je vous conduirai partout où vous voudrez aller. Oui, c'est un petit jeu que nous jouons entre nous, Cathy. Je viens aussi. Votre chapeau, après vous, Madame Crawford. Je m'étais déjà trouvé dans des situations encore plus étranges, mais celle-ci avait un côté à la fois macabre et inquiétant. J'étais sur le point de passer la corde autour du cou de Crawford, et c'était lui qui m'aidait à le faire. Pas possible. Il y avait quelque chose de louche là-dedans.
Eh bien, on y est maintenant. J'espère que vous êtes satisfait. Merci, Madame Crawford, vous m'avez sauvé la vie. Bon, alors on rentre tous à la maison. Non, tu n'y comprends rien. Monsieur Liamon va réellement prendre le train. C'est de vous décider, hein? C'est exact. C'est exact. Voyons, écoutez, Liamon, est-ce que vous ne faites pas une erreur en vous sauvant avec une telle hâte? Souvenez-vous que vous avez fait la prison pendant longtemps et que vous n'êtes pas encore réadapté. Je suis sûr que je ne fais pas d'erreur, Monsieur Crawford. Cathy, le réservoir d'essence est vide. Fais-le remplir, je te prie. Mais je n'ai pas envie de te laisser. Fais ce que je te dis. Est-ce que c'est le train de la côte? Non, Monsieur Crawford. À cette heure-ci, c'est l'express. Merci. Sage Crawford, vous viendriez à Londres avec moi. Mais pourquoi est-ce que j'irai? Parce qu'en fin de compte, ça va revenir au même. Quand je la quittais sur le quai de la gare, il y avait un sourire sur ses lèvres, mais pas dans ses yeux.